Yeah.
Alléluia, alléluia.
petite idée, mais tu es le grand Dieu, tu es le seul Dieu du monde. Alléluia, alléluia. Oh Jésus, et tu veux bénir ton peuple, alléluia. Tu veux t'occuper de ton peuple, Seigneur. Oh, alléluia, alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia. Faites confiance au Seigneur. Je m'offre à toi. Je m'offre à toi. Oui, Jésus. Reçois mon offrande. Oui, Jésus. Me voici à tes pieds. Alléluia, alléluia. Reçois mon offrande. Fais de moi ce que tu veux. Je suis disponible. Me voici ici pour toi. Reçois. Oh,
Alléluia. Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez eu un beau Noël. Alléluia. Et je vais continuer la dernière partie de ma série, Raison de la saison. Nous avons regardé au commencement ce qui concerne le salut, la première partie. La deuxième partie, ça faisait affaire avec la guérison. La semaine passée, avec la restauration. Et aujourd'hui, je vais regarder à l'éternité. Alors, j'appelais mon message « L'éternité au ciel », c'est la phase finale, hallelujah, la dernière étape, la dernière place, et on va toujours être avec Jésus, hallelujah, c'est la raison qu'il est venu, c'est une des raisons, hallelujah. Alors, allez avec moi à Jean 6, 51, après ça, on ira à 6, 58. Ça dit ici, je suis le pain vivant descendu du ciel, hallelujah. Alors, Jésus vient d'admettre qu'il est venu du Père, il est venu du ciel. C'est la raison qu'on célèbre Noël, hallelujah, à cause que Jésus est venu. Il dit, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour la vie du monde, hallelujah. Alors, il veut qu'on mange son pain, son corps. C'est métaphore ici, là, c'est une métaphore, pour qu'on ait la vie. Hallelujah, ça dit que je donnerai pour la vie du monde. Hallelujah. Alors, quand on mange de sa parole, quand on reçoit Jésus-Christ, hallelujah, nous avons la vie. Il n'a pas la vie, seulement la vie éternelle. Hallelujah. Jean 6, 58 dit, voilà comment est le ciel et le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangé. Eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Hallelujah. Puis éternellement dit qu'il, ça peut simplement dire sans fin. Il n'y aura jamais une fin. Je suis sûr que nous avons tous entendu ce genre de slogan. Je vais commencer mon message. C'est comme construit pour durer. OK? En 1998, la compagnie Ford Motors a dépensé des dizaines de milliers de dollars sur un nouveau slogan. Construit pour durer. Ou construit Ford, robuste. Ça parlait de leurs camions, de leurs véhicules qui sont assez bien construits, qu'ils sont construits pour durer. Ils sont robustes. Les deux slogans énoncent clairement ce que les véhicules Ford offre, la qualité, la puissance et la fiabilité. Et c'est la même chose avec Dodge, les Ram, ils ont un slogan qui s'est marqué, en anglais c'est écrit « Guts, la gloire et Ram ». Ou, je ne sais pas comment dire « Guts » en français, mais ça veut dire « Guts, glory puis Ram ». Hallelujah, ça veut dire qu'on peut aller à travers n'importe quoi, on est brave, on n'a pas peur de rien. C'est ça qu'il essaie de décrire ici. Et les camions Chevrolet, je me rappelle, dans les 90, c'était dur comme un rocher. Hallelujah, tu ne peux pas le casser, c'est dur, c'est solide. Hallelujah. Donc c'est une tentative, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est une tentative pour nous faire croire, d'une manière ou d'une autre, que ces camions ici sont solides, pleins de courage et de gloire, et en quelque sorte construits, si résistants, qu'ils dureront et dureront. Mais je vais vous dire que n'importe quel véhicule qui a été acheté puis utilisé, ils vont tous à un cimetière d'une place ou à une autre. Ça rouille, ça ne fonctionne plus. Alors, c'est seulement Dieu qui crée quelque chose qui va durer. Hallelujah! Hallelujah! Tout ce qui est fabriqué par l'homme, quel que ce soit, se retrouvera de manière ou une autre à la décharge locale. C'est ça. Parce que la cause a été faite par l'homme. Mais tout ce qui concerne Dieu, qui a été créé par Dieu, va continuer ou dure éternellement. Voyez, Dieu a tout construit pour durer éternellement. Parce que Dieu est à propos de l'éternité. Alléluia! Quand on regarde Matthieu 6, 13, c'est la prière que Jésus nous montrait à prier. Puis ça nous dit ici, au verset 13, ne nous expose pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient tous les siècles, le règne et la puissance et la gloire. Amen. Ça, ça parle de l'éternité. Ça, ça parle, ça décrit ce qui est Dieu. Dieu est éternel. Et à cause qu'on a Jésus en nous, nous sommes aussi des êtres éternels. Alléluia. Et l'homme, sa plus belle création, durera pour toujours. Que ce soit au paradis ou tristement en enfer. Une fois qu'un enfant est né, une fois qu'un petit bébé est né, okay, il entre dans l'éternité, qui veut dire simplement que soit qu'il plus tard fait un choix pour Jésus, ou qu'il dénie Jésus, il ne veut rien avoir avec Jésus et va être séparé de Dieu à une place appelée l'enfer. C'est ça la Bible a dit. La Bible est très claire. Alors, il y a une éternité, c'est pour toujours là ou c'est pour toujours en haut avec Dieu. Toujours, éternellement. Okay? Et le choix que nous ferons sur cette terre déterminera notre destin. Choisir Jésus est le choix sage. Choisir Jésus, c'est choisir la vie éternelle avec lui au ciel. Et c'est ça que je veux regarder aujourd'hui. Je veux mettre l'emphase sur l'éternité. Alléluia, parce qu'on a toujours... On dirait qu'on a toujours une vision qui est juste de jour à jour, ou pas plus longtemps que ça ici. Alors, il faut vraiment voir dans le futur où on s'en va. C'est la raison qu'il est venu, pour nous donner l'espérance et pour nous donner la vie éternelle, pour nous rapprocher à Dieu, pour nous emporter dans la présence de Dieu. Vous voyez, la vie éternelle ne vient que par Jésus. Allez avec moi à Jean 14, 1 à 6. Jésus te peut parler à ses disciples, il dit. Puis il commence comme ça, il commence le chapitre 14 comme ça, il dit, « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. » Ici, il parle dans le ciel. « Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Alors, Jésus est en train, avant qu'il soit crucifié, avant qu'il ait à travers toute la punition qu'il était envoyé pour recevoir, mourir sur la croix romaine. Alors, ça, c'est avant. Il dit, moi, je m'en vais bien vite. C'est ça que je vous décris. Je m'en vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Puis Thomas lui dit ici, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Jésus ici, il parle d'aller au ciel, faire partie de l'éternité. Puis il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, c'est seulement par Jésus. Alléluia. Et l'éternité ici fait partie de la vie. Okay? Puis la vie est partie de l'éternité. Quand tu vis éternellement, tu es dans l'éternité. Alléluia. Nous ne sommes pas comme les arbres, les insectes, l'herbe, les poissons ou toutes les autres choses créées. Ces autres choses créées ne sont pas éternelles. Mais nous avons un corps, nous avons un âme et un esprit. Un âme qui est la pensée, notre volonté, puis nos émotions. Nous sommes créés à son image. Merci Seigneur qu'on est créé dans ton image, à l'image de Dieu. Il y a tellement de gens qui ne connaissent pas leur véritable image et cette vie éternelle en Christ. Il y en a du monde qui ne savent même pas qu'ils ont été créés dans l'image de Dieu. Et si on voit toute la création de Dieu, puis on dit à nous-mêmes, c'est qui a créé ça? C'est divin, ça. C'est divin Dieu. Puis toi, tu es créé dans son image. Hey, ça, c'est des grandes nouvelles, ça, là. Ça, c'est des bonnes nouvelles. C'est pourquoi Jésus est venu. C'est pourquoi nous avons fêté Noël hier. L'entrée de Jésus dans ce monde avait un but et un but
seulement pour nous ramener à notre Père céleste. C'est la phase finale. C'est l'endroit que Jésus désire que nous passions l'éternité avec lui. Ça, c'est très important à comprendre, ça, de savoir. C'est un endroit où il n'y a ni maladie, ni douleur et ni mort. Alléluia! Disons qu'on vit dans un monde qu'on est sujet à des rhumes, à des grippes, à du cancer, à toutes sortes de choses à cause qu'on vit dans un monde qui est dans le péché, qui a fait faillite par la rébellion d'Adam et Ève, qui ont dit qu'ils n'ont pas écouté à Dieu, ils n'ont pas obéi à Dieu. Alors, tout ça, c'est un grand facteur dans le fait qu'on a des maladies, on a toutes des sortes de choses comme ça. Nous vivons dans un monde qui n'a aucune idée de la possibilité de ce genre de vie. Vous savez qu'il y a une génération aujourd'hui qui ne connaît pas Jésus. Je pense que c'est la première génération à accepter dans l'Ancien Testament. La Bible a dit après que Josué est décédé, je pense que c'est dans le livre des Juges, qu'il y avait une génération qui ne connaissait plus Jésus. Ça continuait comme ça. Ils ont commencé à tourner à des idoles, ça fait comme ça. Mais aujourd'hui, nous avons une génération qui ne connaît pas Jésus. Mais Jésus est venu pour nous montrer et nous offrir la vie éternelle. Aujourd'hui, en ce moment, on n'a pas besoin d'attendre le mois prochain, la semaine prochaine ou dans 2 mois d'ici. On peut le recevoir ici, cette vie éternelle. Alléluia! Alléluia! Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être au paradis pour être libéré de la maladie ou des péchés ou de n'importe quoi. Vous pouvez vivre comme que c'est au paradis en ce moment. Alléluia! Est-ce qu'il y a de la maladie au ciel? Non. Y a-t-il des péchés au ciel? Non. Tout est bon au ciel. C'est là la présence de Dieu. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de diable, il n'y a pas rien, il n'y a pas de démon, il n'y a pas de noirceur, c'est la lumière, c'est la gloire. Alléluia! Alors, tout est bon. Et on peut vivre comme cela sur cette terre. On a l'autorité au-dessus des péchés, au-dessus des maladies, au-dessus de toutes sortes de choses. Nous avons la puissance de l'Esprit qui vient en nous. Alors, nous pouvons vivre cette vie d'éternité ici, sur cette terre. Alléluia! Quand Jésus est venu, il a apporté l'éternité au ciel avec lui sur cette terre. C'est comme, OK, je m'en vais sur la terre, on va prendre l'éternité avec moi, puis je m'en vais le présenter au monde. Alléluia. La vie éternelle. Alléluia. Cela s'appelle le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Jésus nous avait dit qu'il avait apporté le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si nous sommes en Christ, la mort n'a plus d'emprise sur nous. Savez-vous ça? Si on est en Christ, là, quand on a reçu Jésus-Christ, on s'est détourné de nos péchés, on a demandé pardon au Seigneur, puis on a tourné envers Jésus, voulant vivre notre vie pour lui. Alléluia! Avec lui et en lui. Alléluia! Quand on a fait cette décision-là, on vit dans le royaume de Dieu. Alléluia! La mort n'a plus d'emprise sur nous. Nous ne craignons pas de mourir parce que l'amour, la miséricorde et le pardon de Dieu nous attirent vers le ciel. Alléluia! Nous ne ressentons pas l'attraction descendante de la mort parce que Jésus a brisé toutes les chaînes de la mort qui nous maintenaient au sol, qui nous gardaient au sol et nous séparaient de Dieu. Nous sommes libres. Alléluia! Alléluia! Réjouissez-vous quand vous entendez des choses comme ça. Alléluia! Dites merci Seigneur. Alléluia! Alléluia Jésus! Ah, il faut être passionné pour le Christ. Libre, ça dit, j'ai marqué ici, libre de commencer à vivre éternellement en commençant ici, sur cette terre. On n'a pas besoin d'être séparé de notre corps et aller au ciel pour commencer à vivre au ciel. Non, on peut vivre sur cette terre parce que Jésus l'a emporté avec lui quand il est venu. Alléluia! Et on ne meurt pas. Nous passons simplement dans l'autre monde.
au ciel. Nous continuons à vivre dans l'éternité. On a commencé ici, c'est juste un changement de local. Alléluia! Okay? Ceci est important à comprendre, car lorsque nous le comprenons, ça enlève toutes les craintes que nous avons concernant la mort. Vous voyez, être absent dans le corps, c'est d'être présent avec le Christ. Si on est mort, mort éternité, mort Jésus, on va instantanément, papa, je peux dire comme ça, boum, t'es mort, ton corps est mort, ta vie éternelle, ton âme, ton esprit, tout, ça s'en va avec Jésus, alléluia. Il y en a qui disent que quand on va vivre sans maladie, on va vivre sans maladie là-bas, tu sais, il y en a du monde qui sont comme moi, là, j'ai un petit peu mal au dos des fois, mais j'ai un petit peu, c'est un petit peu, j'ai 61, là, puis commence à avoir, tu sais, ça, tu sais, dans le ciel, c'est pas comme ça. Dans le ciel, ils disent, j'ai entendu des différents témoignages, que tu es environ dans tes vingtaines, 20-25 ans, dans ta prime de ta vie. Hallelujah, ça veut dire que je vais avoir des cheveux, par un corps svelte, hallelujah. Et puis, je vais pouvoir courir, je vais pouvoir, pas de problème, parce que je n'aurai jamais de peine, jamais de douleur, hallelujah. C'est ça, vivre avec Jésus, hallelujah. C'est vivre dans la lumière et la gloire de Dieu. Être absent dans le corps, c'est d'être présent avec le Christ. C'est un transfert instantané d'ici sur terre à là-bas dans le ciel. Hallelujah. Et vraiment, pour dire là, honnêtement, le ciel est direct ici. C'est juste, c'est quasiment, on dirait, il y a comme on dirait un voile. Aussitôt qu'on est décédé de notre corps physique, on entre instantanément. C'est pas comme un long voyage. OK? Hallelujah. C'est pourquoi je peux dire en toute confiance que Jésus est la raison de la saison. Hallelujah. C'est ça la série qu'on finit aujourd'hui. Il est la raison de la saison. Il nous sauve, il nous guérit, il nous restaure et il nous, j'ai marqué, il nous éternise, il donne la vie éternelle. Hallelujah. Et personne d'autre ne peut faire une telle chose. Il n'y a personne qui peut faire ça. Seulement Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Oh Seigneur, tu es bon. On loue ton nom maintenant, Seigneur. Hallelujah. Tu es bon. Bon. Hallelujah. Merci. Vous voyez, Jésus est notre sauveur. La première sermon sur cette série-ci. Jésus est notre sauveur. Celui qui a le lien et l'accès direct au ciel. Il est celui qui nous montre le chemin, la vérité et la vie. Jésus est celui qui guérit, c'est mon deuxième message, à tous ceux qui demandent et croient. Les médecins et les infirmières ne peuvent pas nous guérir. Seul Jésus le peut. Savez-vous ça? Les médecins et les infirmières ne peuvent que faciliter. Mais quand tout est dit et fait, Jésus est celui qui guérit réellement nos corps brisés. Nos corps ont été créés par Dieu pour se guérir. Savez-vous ça? On a quelque chose bâti en nous. Tu sais, quand on se coupe, puis on va voir, oh wow, ça coupe, ça saigne, puis on met quelque chose, puis le sang commence à je ne sais pas comment le dire, là. Et vous savez quoi je veux dire. Mais après ça, il y a une gale. Puis après ça, on voit, c'est une couple de semaines après, tu peux ôter la gale, puis c'est guéri. Fini. Pareil comme nous. On a été créés comme ça. C'est le plan de Dieu pour notre corps. Hallelujah. Nos corps ont été imprimés au ciel par Dieu. Hallelujah. Dieu savait exactement comment nous créer, avec le ADN, avec toutes sortes de... Wow! Le corps est complexe. Lisez Psaume 139, je crois. David parle du corps, notre corps humain, hallelujah. Comment on a été tissé dans le ventre de notre mère, hallelujah. Alors, merci Seigneur pour les docteurs et les infirmières qui nous aident à l'hôpital. Et merci Jésus de m'avoir guéri. Merci, hallelujah. Et la semaine passée, on a regardé à Jésus, est celui qui restaure toutes choses.
tu es venu pour restaurer ce vieux taré nommé Denis, ce vieux bazou, OK, afin de montrer au ciel celui qui est restauré est prêt pour le ciel. La raison que j'ai dit un vieux bazou appelé Denis, c'est moi ça, alléluia, il est venu me restaurer. Connaissez-vous du monde qui avait restauré des vieilles automobiles de 40, 50, 60, 70 ans, même 100 ans de vieux? Des vieilles automobiles, là, puis ils se promènent sur la rue, puis c'est pareil comme s'ils étaient à l'époque. Ils sont flambant neufs, ils sont beaux. Ils ont pris le temps, ils ont restauré toutes sortes de choses. Ils ont été toute la rouille, ils ont fait toutes sortes de choses, ils l'ont restauré. Et c'est ça qu'il a fait avec moi. Puis c'est ça qu'il a fait, il fait avec vous maintenant. Hallelujah. Hallelujah. On est toujours dans le processus de se faire restaurer, c'est sûr. Ça n'arrive jamais. On n'est pas complètement restauré. Mais on travaille avec Jésus, puis il travaille avec nous. Hallelujah. Et on continue dans sa voie et on se fait restaurer de plus en plus. Hallelujah. On est des vieilles voitures qui se fait restaurer. Hallelujah. Moi, je ne sais pas que je pourrais m'appeler un vieux Ford. Je ne sais pas. Peu importe. L'éternité avec Jésus. C'est ça aujourd'hui. Ça, c'est vraiment excitant. Hallelujah. Quand je pense à l'éternité, spécialement à ce qui se passe aujourd'hui, on sait que Jésus s'en vient. Il est proche de venir. Tout commence à la nouvelle naissance. OK? Juste pour laisser savoir. Quand on est pour l'éternité avec Jésus, tout commence à la nouvelle naissance. Lorsque notre homme spirituel, on est créé corps, on est créé âme et esprit, on est fait de trois parties. OK? Prends vie. Alors que nous réalisons que nous sommes des pécheurs et que nous demandons pardon pour tous nos péchés et choisissons de vivre pour Jésus, nous commençons à expérimenter le ciel sur la terre. Alléluia. Allez à versets 16 et 17 du livre de Jean, chapitre 14. Jésus dit, « Quant à moi, je prierai le Père. » Et il vous donnera un autre défenseur. Jésus était notre premier défenseur. Maintenant, il va nous donner un autre défenseur. Afin qu'il reste éternellement avec vous. Vous savez qu'il s'appelle l'Esprit de la vérité ou le Saint-Esprit. Hallelujah. Le Saint-Esprit ou l'Esprit du Christ vient vivre en nous quand nous demandons à Jésus de nous pardonner nos péchés et on veut vivre selon lui, hallelujah, selon sa parole. Ça dit l'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. OK? Mais vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Il va rester éternellement avec vous. Hallelujah. C'est merveilleux cette nouvelle-là. C'est pour ça que les Écritures sont si bons pour notre esprit, pour notre âme. C'est ça qui nous change, c'est ça qui nous transforme. Comprenant que Jésus a mis son esprit en nous pour qu'on... Puis cet esprit-là, c'est l'esprit du Christ, c'est l'esprit qui a donné l'onction à Jésus pour faire les miracles sur cette terre et guérir tous les malades. Le même esprit-là vit en nous. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Hallelujah! Puis quand ça dit qu'il va vivre éternellement, c'est pas dire, ça veut dire pour l'éternité, pas juste pour un petit peu ici, puis là, ça va, il dit, quand il reste avec vous et il sera en vous, hallelujah. L'éternité avec le ciel commence à la nouvelle naissance. Ça, je l'ai déjà dit, je vais le répéter, c'est toujours bon de se répéter. Cela commence sur terre et lorsque le corps de l'imitation, le corps ici, physique, la chair expire, l'éternité continue au ciel. C'est une transition sans heurte. Ça fait pas mal. Quand on est mort, on est mort. La transition, il n'y a pas de peine, il n'y a pas de douleur, il n'y a rien. Okay? Il n'y a pas de trajet chaotique vers la gloire après l'expiration du corps. Il n'y a pas de civière ou d'ambulance ou de médecin, juste Jésus. T'es mort dans la présence de Jésus. T'es mort dans la présence de Jésus. Instantanément. Hallelujah. Dans un 10 millième de seconde. Merci Seigneur. Boum. T'es tout de suite avec lui. Il est là. Hallelujah. Puis l'éternité,
au ciel commence, au ciel. Et à cause de Jésus et de ce qu'il a fait pour nous, la mort a perdu son attraction gravitationnelle, OK, vers l'enfer. Ça veut dire que quand on a Jésus avec nous, quand on meurt, on n'est pas tiré à l'enfer instantanément, on est tiré par Jésus instantanément. Alléluia. Jésus a pris sur lui tous nos péchés, nos maladies et nos infirmités. Ça, c'est des bonnes nouvelles encore. Hey, je suis plein de bonnes nouvelles aujourd'hui. Alléluia. Parce que je prêche la bonne nouvelle. Quand on pense à Noël, il faut aussi regarder toutes ces futures ramifications. Sinon, si on reste à l'arbre, à la crèche, pensez au petit bébé Jésus. Puis, il n'y a rien de mal avec ça. C'est beau. Si on reste là, nous allons rater la partie la plus importante. La vie éternelle avec l'agneau de Dieu qui est venu enlever le péché du monde, qui est venu pour nous montrer le chemin, la vérité et la vie. Hallelujah! Comment être transformé, comment vivre une vie sur cette terre qui est plaisant à Dieu, à place d'être plaisant aux hommes, plaisant à tous les autres. Il faut vivre une vie qui plaît à Dieu. Hallelujah! Alors, toutes ces méditations et sur les raisons pour lesquelles Jésus est venu me rappellent à quoi ressemblait ma vie avant que je le rencontre vraiment avoir une expérience et où ma vie a changé. Je me souviens à quel point j'étais spirituellement mort. Quand je regarde à l'Écriture, quand je regarde à l'histoire de Jésus, pour la raison qui est venue, quand je lis la parole, je me vois où j'étais des fois avant que je connaisse Jésus. Je n'avais ni lumière, ni vie. Et je n'avais aucun but. Aucun but qui est éternel, je veux dire là. Okay? Oui, j'avais un emploi, puis je voulais m'acheter une maison, puis ci, puis ça. Je voulais, il y avait ces buts-là. J'avais une femme, j'avais mes petits-enfants. J'étais un homme mort qui marchait. Je respirais l'air et c'est tout. C'était la seule chose qui me gardait maintenant physiquement en vie. Ça, puis la nourriture. Boire, manger, puis souffler l'air, respirer de l'air. Et puis le jour est venu où j'ai découvert la vie éternelle en Christ. Et quand j'ai accepté Jésus dans mon cœur et dans ma vie, l'éternité au ciel s'est déclenchée. Et depuis cette journée-là, ça a été une course folle. Ah, ça a monté puis ça a descendu, c'était comme des montagnes russes. Mais c'est vraiment une vie excitante. Alléluia! Je vis maintenant dans le climat du ciel. Un climat de paix, d'amour et de joie. Ça, c'est le climat du ciel. Voyez, aujourd'hui, le monde est en discussion constante sur une chose, le changement climatique. Et je vais être très honnête, je ne suis pas un expert dans ce domaine, même pas proche. Les soi-disant experts parlent des sujets, des gaz à effet de serre, de l'énergie respectueuse à l'environnement, de la destruction de notre atmosphère et à cause des combustibles fossiles. Ils disent qu'aujourd'hui, nous détruisons la planète et ainsi de suite. Okay? Mais la réalité est que le changement climatique existe depuis Adam et Ève. Laisse-moi expliquer. Okay? Par leur péché de rébellion, la Terre a lentement régressé et empiré sur les dernières 6000 ans. Hallelujah! C'est ça vraiment qui se passe. Je veux suggérer aujourd'hui pourquoi nous sommes sur le point du retour de Jésus, la raison pourquoi Jésus s'en vient dans les nuages pour venir chercher son Église. Et tout cela est à cause du changement climatique, mais pas la façon dont le monde pense, pas comme le politicien pense. Regarde ce que Romains 21 et 22 dit. Ça dit « Toutefois, elle a l'espérance d'être, il parle de la terre, elle a l'espérance d'être
elle aussi libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Pourquoi ça? C'est à cause du péché. Vous voyez, je veux que vous compreniez quelque chose aujourd'hui. C'est une révélation ici pour vous, si vous ne le connaissez pas. Le péché est attaché à chaque personne, littéralement. Okay? Le péché détruit. Et parce que la population et la terre est là où elle se trouve, nous avons beaucoup de péchés. Laisse-moi vous montrer quelque chose que j'ai appris dans le temps passé. Quand on est dans une chambre, une petite chambre, disons qu'on peut mettre confortablement, puis même un petit peu, pas comme des sardines, mais beaucoup de personnes qui ont l'onction de l'esprit, puis ont pris. Il y a quelque chose de puissant qui arrive, parce que l'onction de Dieu est attachée à chaque personne. Puis quand on est tout ensemble, proche, à proximité de chaque personne, il y a quelque chose de puissant. C'est différent quand la personne est 50 pieds, 100 pieds, 200 pieds. Il n'y a pas le même effet. Puis c'est la même chose avec le péché. Le plus de personnes qu'il y a sur cette terre, le plus de personnes qui se rassemblent proches, OK, de personnes qui sont pécheurs, non sauvées, le plus de péché qui va sortir, continuer. OK? C'est comme ça, ça marche. Le péché affecte toute la création. Et l'onction de Dieu aussi affecte toute la création. Alléluia. C'est pourquoi Jésus est venu nous pardonner de tous nos péchés. Mais pour savourer ce pardon, nous devons recevoir et accepter ce pardon. C'est ainsi que le péché est détruit et enlevé pour toujours quand nous le recevons. Alléluia. Alors, ça sort de notre vie. Jésus nous a libérés de nos péchés. On a été pardonnés de nos péchés. Alléluia. Alors, maintenant, nous avons une onction, un grand changement. Nous avons la lumière et pas la noirceur. C'est ça qui fait la différence. OK? Le changement climatique qui réparera les effets néfastes du péché sur cette terre doit commencer dans le cœur. Et seul Jésus peut traiter nos cœurs. Ça fait-tu du sens? Alléluia. Ça m'a touché le cœur, ça, vraiment. Quand j'ai commencé, je parlais à ma femme 2-3 jours passés. Puis j'ai dit, Sylvain, savais-tu que on parle beaucoup du change climatique, du climate change? C'est vraiment, c'est le péché qui cause tout ça. Puis le péché, c'est attaché à la personne. C'est ça qui peut vraiment changer qu'est-ce qui se passe sur cette terre. Le Seigneur m'a vraiment montré quelque chose d'assez profond pour mon cœur, pour moi. Changer le climat dans nos cœurs changera le climat de cette planète. Chaque changement dans ce monde commence dans le domaine spirituel. Parce qu'on ne peut pas le faire, l'homme ne peut pas le faire par dire, l'homme pécheur ne peut pas dire, les politiciens ne peuvent pas dire, OK, on va tout à des automobiles électriques, on n'aura plus d'huile, on n'a plus de ça, puis on va avoir. Non, le péché va toujours être là. Il va toujours avoir quelque chose. Si on se demande pourquoi il y a des ouragans, il y a toutes sortes de températures qui sont folles, puis extrêmes, puis tout ça, il faut regarder au cœur de l'homme. C'est ça qui affecte, selon Romains 8, la terre, elle a des douleurs d'accouchement. C'est ainsi que tous les problèmes de ce monde sont rectifiés par le cœur, par Jésus. Alléluia. Jésus est le changeur de climat et le réparateur de cette terre. Et nous le verrons. Alléluia. Il arrive bientôt dans ce monde, près de chez vous. Alléluia. Dieu, sur son trône, a dit, regarde, Apocalypse 21:5, il dit, ça c'est Dieu le Père, parce que la Bible a met juste les lettres rouges, parce que je voulais trouver, voir si c'était Jésus. Mais c'était le Père, sur le trône, qui a dit, voici que je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse 21:5. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il ajouta, écris cela. Il dit ça à Jean, écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Alors, Dieu n'est pas menteur. Il a la vérité. Il est l'auteur de la vérité. Il est la vérité pure. On disait dans un dicton avant, tout pur en peinture. OK? C'est un dicton. Mais
Dieu est comme ça. C'est lui la vérité. Jésus est la vérité. Alléluia. Quand il dit quelque chose, c'est vrai et ça va arriver. Alors ici, voici que je fais toutes les choses nouvelles. Parce qu'il va commencer à changer les cœurs des hommes. Beaucoup de choses qui vont arriver dans le futur, qui vont causer tout ça à faire. Alléluia, mais je ne peux pas rentrer dans ça aujourd'hui. Mais je finis avec ça ici. L'éternité en Christ est ici et est disponible maintenant. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, on n'a pas besoin d'attendre. Tu peux le recevoir à l'instant. Alléluia. L'éternité en Christ. L'éternité est venue avec Jésus et c'est la réponse à tous les problèmes que cette terre n'est jamais connue. Il est accessible à tout, à chaque instant. Alléluia. Il n'y a pas de refus pour ceux qui le veulent. En autre mot, Jésus reçoit tout qui vienne avec un cœur de repentance. Alléluia. Un cœur qui veut suivre lui. Un cœur qui veut le pardon des péchés. Alléluia. Alors, merci Jésus pour l'éternité et toutes les bénédictions qui vont avec. Alléluia. J'ai hâte, vraiment. J'ai hâte. Je ne suis pas une personne qui veut vraiment m'en aller tout de suite, là, mais quand le temps va être venu, j'ai hâte. On a d'ouvrages encore à faire sur cette terre, mais j'ai hâte de vraiment vivre une vie sans maladie, sans péché, sans noirceur alentour. Je veux vivre une vie avec mon Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et j'espère que c'est la même chose avec vous. Alléluia. Alors, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Et la semaine prochaine, ma femme Sylvain va prêcher la parole. Alléluia. La prêche bonne. Sylvain, la prêche bonne. Alléluia. Alors, ayez une bonne semaine. Continuez les vacances. Ayez une bonne journée aujourd'hui. Et on se reverra la semaine prochaine par ma femme Sylvain. Alléluia. Seigneur vous bénisse. Thank you.